Quelles sont les catégories des gens face au Coran? Les gens se divisent par rapport au Coran en deux extrêmes et un juste milieu. Tout d'abord, un laxisme. Une catégorie s'est écartée du Coran par le délaissement de sa lecture, sa mémorisation, sa méditation, sa mise en pratique et au fait de le prendre comme remède. Le deuxième extrême, c'est une exagération. D'autres lisent et mémorisent le Coran sans méditation ni mise en pratique. Et le juste milieu, une catégorie le lit, le mémorise, le médite de manière constante et demande l'aide d'Allah dans sa mise en pratique. Ceci est la voie des pieux prédécesseurs. Allah Azza wa Jalla a dit, et le messager d'Allah dit, « Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Il sortira de la lignée de cet homme un peuple qui lira le Coran, mais celui-ci ne dépassera pas leur gosier. Ils tueront les musulmans et délaisseront les polythéistes. Ils sortiront de l'islam comme la flèche quitte sa cible. Si j'atteins le moment de leur venue, je les tuerai de la manière que fut châtié le peuple de Ad. »